Hey, salut, c'est encore moi. Alors, j'espère que vous allez bien et autres. Là, je voulais faire avec vous le point sur ce qu'on avait eu pour Noël. Voilà. Alors, je vais vous montrer. J'ai plusieurs choses. J'ai été très gâté pour Noël, notamment niveau comics. Donc, il y a quelques années, il y a longtemps, j'avais acheté le tome 1 de Paul Dini. Et puis, finalement, là, ce Noël-là, on m'a redonné, on m'a acheté donc le tome 2 que je n'avais pas. Et le tome 3, avec son joli macaron, dernier tome de la série, hein? Joli macaron qu'on peut pas enlever. C'est cool, hein? Bouh, voilà, bon. Après, par contre, la pièce maîtresse, les gars et les filles, vous êtes pas prêts. Enfin, si tant est qu'il y ait des filles qui regardent ces vidéos, parce que si je regarde les stats, il y a que des mecs. Mais bon, c'est pas grave. Allez, je vous montre de suite la pièce maîtresse. Donc la pièce maîtresse, c'est big up à mes beaux-parents. Hein. Franchement, c'est de la balle d'avoir reçu ça. Donc vous l'avez deviné, c'est le Urban Limited sur un long Halloween que je n'ai jamais lu. Donc j'essaie de le déballer sans être en burgonde. Hein. Arthur Couillère, hein, ceux qui connaissent savent. Donc voilà. Si je le montre à l'endroit, ça va peut-être mieux. Alors, hop. À l'endroit, ça donne ça. Batman en long Halloween, il est énorme. Vraiment. Non, mais je parle du bouquin en lui-même. Hein. Il est vraiment énorme. Et donc, j'ai commencé à lire, mais je voulais pas trop l'abîmer. Vous avez des planches qui sont absolument gigantesques. Si je vais vous montrer une belle planche. Sans trop... Ah, ouais, une avec Grundy. Alors, attention. Hop. Voilà. Alors, c'est pas loin du. C'est moins lourd qu'un omnibus. Mais ça pèse quand même son poids. Et surtout, c'est très précieux. Alors, la seule chose que je peux regretter, c'est que... Attendez, je vais prendre là, ce sera mieux. La seule chose que je regrette par rapport à ça, c'est que c'est exactement la même couverture que l'Absolute Un Long Halloween, chez Panini, quand ils avaient encore la licence DC. Par contre, c'est vachement plus grand. Attendez, je prends un comics normal de chez Urban. Donc voilà, on va les comparer tous les deux. Attendez, je les pose, reliure contre reliure. Voilà. Beau bébé, hein. Ça rentre absolument pas dans la bibliothèque et ça restera dans le carton pour le protéger. C'est génial. J'adore. C'est vraiment un super cadeau. Alors, bien sûr, on me l'a acheté neuf, hein, dans une bonne enseigne de librairie. Excusez-moi pour le changement. Pas encore habitué de mon nouveau setup. Dans une librairie à son prix normal. Et voilà quoi, c'est. Les planches sont grandes, magnifiques, le travail est superbe. Je pense pas que j'aurais pas pu plus l'apprécier dans un autre format que celui-là. Donc à quand Amère Victoire et le reste, ça, je sais pas. Donc je l'ai pas encore lu, donc je ne fais pas encore de retour dessus. Je vais pas trop en parler. C'était juste une bonne surprise. Et la troisième bonne surprise. Alors je vais vous montrer. Moi je suis un grand gamin, j'adore les figurines. Ma copine m'a offert ça. Voilà. Alors, pour ceux qui me connaissent vraiment bien, je supporte pas la nouvelle trilogie. Par contre, j'aime bien les petits robots, tout ça, petits robots sans trop peur. Ça peut le faire. Alors, le problème, ce petit robot est très joli, je vais vous le montrer d'ailleurs. Hop, alors. Il s'agit donc du Stormtrooper du premier ordre de chez Uptech. Hop, je vais le mettre à côté. Il a son fusil. Donc la boîte est très belle. Il y a même un socle pour le mettre dessus. Je vais vous montrer le socle. Hop, hop, je ferme. Donc voici le socle. Voici le petit bonhomme. Je vais vous montrer un peu mieux à la caméra. Voilà, je lui mets son petit pistolet. Son blaster. Alors, est-ce que j'ai mis correctement? Bon, ça donne ça. C'est tout mignon. On s'en rentre pas trop dans la bibliothèque. C'est trop beau, hein. Ça coûte un certain prix. Et alors, là où je suis un peu dégoûté, c'est qu'il y a une appli pour le contrôler. Sauf que cette appli, elle est plus dispo sur Android. Et bien sûr, si vous l'avez par des moyens détournés, ça ne marche pas non plus. Il faut un iPhone. Et donc, moi je ne suis pas très iPhone, hein, je suis plutôt Android. Alors, je suis pas ni à fond Android ni à fond iPhone, hein, j'ai commencé avec un iPhone, mais
J'aime pas trop, je trouve ça cher pour ce que c'est, et j'ai pas envie de dépenser l'équivalent de plus qu'un SMIC dans un téléphone pour contrôler un robot. Donc voilà, ça fera joli sur une petite bibliothèque là, hein, c'est sympa. Ça, c'est le cadeau de ma chérie. J'ai perdu le blaster, j'espère que j'ai pas cassé. Voilà. Donc j'ai bien été gâté pour Noël. Bah, dites-moi vous ce que vous avez eu dans les commentaires, parce que Noël c'était pas si loin. Et puis voilà. Je vous dis à bientôt, et puis n'hésitez pas à partager, à bientôt sur la chaîne. Ciao!